grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Bienvenue à vous tous dans ce lieu de prière. Nous sommes réunis ce matin pour rendre grâce à Dieu et pour nous pencher sur les Écritures ensemble. Bienvenue pour ceux qui poussent la porte de ce temple pour la première fois. Vous êtes ici chez vous et nous sommes heureux de vous accueillir. Bienvenue à tous ceux qui regardent ce culte sur Internet chez eux et qui ont avec nous la même communion fraternelle. Je vous invite sans plus attendre à chanter ensemble le premier répond. Les réponses se trouvent dans le psautier français à l'entrée du livre. Pour toute la liturgie de ce culte, vous trouvez les réponses. Seigneur. Seigneur, tu es vie, tu nous donnes et nous conserves la vie, nous te louons. Seigneur, tu es lumière, tu nous éclaires et nous réjouis par ta lumière, nous te louons. Seigneur, tu es joie, tu nous donnes de partager ta joie et nous te louons. Seigneur, tu es espoir, tu traces et prépares nos sentiers, nous te louons. Seigneur, tu es amour, tu nous permets de vivre dans l'amour, nous te louons. Et pour louer le Seigneur ensemble, je vous invite à chanter le psaume 47 dans les psautiers français, les strophes 1, 2 et 3. Je vous invite à vous asseoir.
Dans le prophète Ésaïe, il est écrit « Voici le jeûne auquel je prends plaisir, dit le Seigneur. Brise les chaînes injustes, dénoue les liens de tous les joues, renvoie libre tous ceux qu'on opprime, mets fin à toute servitude, partage ton pain avec celui qui a faim, recueille dans ta maison les malheureux sans asile, couvre ceux qui ont froid et ne te détourne pas de ceux qui sont ta propre chair. Alors ta lumière se lèvera comme l'aurore, tu appelleras et le Seigneur répondra, tu crieras et il répondra, me voici. » Que ces paroles d'encouragement nous accompagnent dans notre vie et nous chantons. Nous nous tournons vers Dieu avec confiance, nous lui remettons tout ce qui nous sépare de lui. De notre indifférence, de notre ingratitude à ton égard, comme de tout oubli de tes commandements, délivre-nous, Seigneur. De toute forme d'égoïsme, tous ces manques de générosité envers notre prochain, notre mauvaise humeur, de tout cela, délivre-nous, Seigneur. De toute lâcheté, de toute paresse dans nos communautés, comme de toute négligence dans notre travail, délivre-nous. De toute vanité, de tout orgueil de nous-mêmes, comme de tout découragement, délivre-nous, Seigneur. Amen. Quand les montagnes s'effondreraient, dit Dieu, quand les collines chancelleraient, ma bonté pour toi ne faiblira pas. Je t'aime d'un amour éternel, dit le Seigneur, et je te garde ma miséricorde. Que ces paroles du prophète Ésaïe nous donnent l'assurance de la grâce de Dieu toujours dans nos vies. Et je vous invite à vous lever pour chanter votre reconnaissance envers ce Dieu qui fait sans cesse grâce. Confessons notre foi. Je crois en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, qui s'est fait homme pour que nous ayons pardon, joie et salut.
Je crois qu'il est mort et ressuscité pour nous donner victoire sur la mort et l'assurance de notre propre résurrection. Je crois qu'il reviendra dans la puissance et la gloire comme il est venu dans la faiblesse et l'humilité. Par lui, je crois en Dieu notre Père qui nous prend pour ses enfants et nous aime comme il aime Jésus-Christ. Je crois en l'Esprit Saint qui demeure dans notre esprit et nous atteste que nous sommes les enfants de Dieu, qui guide l'Église par l'Évangile et nous révèle la gloire de Jésus-Christ. Je crois l'Église du Christ secrète et universelle, visible et invisible, pécheresse et pardonnée. Je crois que tous les hommes sont liés à Jésus-Christ. Je crois que le royaume de Dieu est notre commune espérance. Amen. À Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Je vous invite à vous asseoir. Et nous allons partager la lecture biblique d'aujourd'hui et avant cela nous allons prier ensemble. Seigneur, nous te remercions de nous avoir réunis en ta présence pour nous révéler ton amour. Fais taire en nous toute autre voix que la tienne. Ouvre par ton Saint-Esprit nos esprits et nos cœurs à ta vérité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, dans l'Évangile de Luc, une parabole que beaucoup ici connaissent déjà sans doute, l'homme riche et le pauvre Lazare. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui, chaque jour, menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre couvert d'ulcères du nom de Lazare était couché à son portail. Il aurait désiré se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut et fut enseveli dans le séjour des morts. Il leva les yeux et en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi !» et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre dans cette flamme. Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que de même Lazare a eu les maux. Maintenant il est ici consolé, et toi tu souffres. En plus de tout cela, entre nous et vous se trouve un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne puissent le faire, et qu'on ne parvienne pas non plus de là vers nous. » Le riche dit, « Je te demande donc, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, qu'il leur apporte son témoignage, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. »
Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscitait d'entre les morts. » Souviens-toi que tu es mortel. Malheureusement, personne n'était là pour rappeler cette vérité aux riches de cette histoire. Pendant son vivant, personne sans doute ne lui avait dit. Sans doute aurait-il mieux valu qu'il s'en souvienne. Lui qui subit les affres de la damnation dans la mer de feu de l'enfer. En plein mois de juillet, alors que nous sommes, pour certains, sur le seuil des vacances et que l'été est là, penser à cela est peut-être un peu difficile. Et la recommandation de penser que nous sommes mortels ne semble pas très adaptée à un temps de vacances et de relâchement. Pourtant, c'est le moment idéal pour penser à notre vie, à ce que nous en faisons, à ce que nous voudrions en faire. Et puis la crise sanitaire étant toujours d'actualité, les relations entre vie et mort sont plus que jamais à regarder de près. La mort a la faculté de remettre en perspective bien des considérations sur la vie. La parabole que nous venons de lire s'inscrit dans la longue tradition du memento mori. Ce thème du rappel que tout homme est mortel est déjà très présent dans l'Antiquité romaine, soit pour en faire une injonction à profiter de la vie pendant qu'on est vivant, comme dans le fameux Carpe Diem, cueille le jour, soit pour recommander à l'homme de se tourner vers l'essentiel dans sa vie tant qu'il en est encore temps, et de toujours se rappeler que comme tous les êtres humains, un jour il mourra. Lors des grands triomphes, les empereurs romains avaient un serviteur qui leur rappelait cela sans cesse. Regarde autour de toi comme tous ces hommes, tu es mortel. Une façon de les empêcher de se croire tout-puissants. La parabole que Jésus raconte ici n'est pas la description de l'enfer tel qu'il devrait se trouver dans l'arrière-monde. Beaucoup auraient bien envie d'en faire un fait, une réalité capable de menacer ceux qui ne se comporteraient pas moralement dans ce bas monde. La religion chrétienne en a fait d'ailleurs un usage parfois abusif, en allant jusqu'à vendre des bouts de ciel et des places au purgatoire aux malheureux fidèles, qui croyaient que leur prêtre était au fait de ce qui se passait en enfer. Peut-être intuitivement, ces fidèles avaient-ils repéré le vice chez ces vendeurs d'indulgence, car il faut quand même être pervers pour se servir de l'enfer ainsi, et pouvaient-ils fort aisément croire qu'ils étaient en enfer comme chez eux et qu'ils en parlaient en sachant de quoi ils parlaient. Aujourd'hui, l'enfer, le diable et autres superstitions sont malheureusement passés dans le camp protestant. Et les contestataires de cette marchandisation du salut ont des descendants qui n'hésitent pas à en faire des motifs de pression sur des fidèles déboussolés ou en mal d'une morale simple et limpide.
et cela fait des dégâts dans les consciences. Toujours est-il que le narrateur de cette parabole, lui, n'est pas dupe. Personne ne revient de la mort pour raconter ce qui se passe de l'autre côté de l'existence présente. Et personne ne sait, pour soi-même, ce qu'est véritablement cette expérience de la mort. Car à l'époque de la rédaction de l'évangile de Luc, comme aujourd'hui, on voit mourir ses proches. On entend les récits d'agonie. On constate que la vie s'en est allée du corps de l'autre, mais on ne peut connaître la mort pour soi-même. C'est une expérience impossible. Jésus fait donc une expérience de pensée. Il met en scène deux vies. Celle d'un homme riche qui mène grand train et fait continuellement la fête, et un autre nommé Lazare qui est couvert d'ulcères, comme le pauvre Job au pire moment de son existence et qui vit avec les chiens dans la rue. Il s'abrite sous un porche, celui du riche. Il s'abrite sous un porche comme les 3000 ou 4000 personnes environ qui vivent ainsi en ce moment même dans Paris et que nous apercevons parfois le soir en train de se faire un tout petit bout de maison là où ils peuvent. Les deux hommes meurent, sans doute pas dans les mêmes conditions, mais le résultat est le même. Leur vie s'achève comme celle de tout être humain dans la mort. Puis, comme un manteau dont on retournerait l'étoffe pour en montrer l'envers, le pauvre Lazare se retrouve dans la félicité avec Abraham, le père des croyants. Et le riche se retrouve dans le séjour des morts. Dans cette histoire d'inversion de situation, ce n'est peut-être pas une invention de l'évangéliste Luc, car une histoire similaire est présente chez les Égyptiens au 1er siècle de notre ère. Seul le Panthéon change et c'est Osiris qui accueille le pauvre, revêtu des habits somptueux du riche. Et dans le Talmud de Jérusalem, la même histoire est racontée, mais on y précise que le pauvre est un docteur de la loi et que le riche est un collecteur des taxes. Cette comparaison des différentes versions égyptiennes, juives et chrétiennes montre que plus que l'identité des personnages, c'est le mouvement d'inversion, le revers de fortune qui a valeur de thèse ici. Tout cela est très caricatural. Et il ne faudrait surtout pas le prendre au pied de la lettre. L'au-delà apparaît comme un monde à deux étages, les deux étant imaginaires, bien sûr, car on ne connaît pas plus le paradis que l'enfer. À un étage, Abraham veille sur Lazare et semble prendre soin de lui. On dit même que Lazare est dans le sein d'Abraham. Il a donc rejoint la communion de tous les croyants. À l'étage inférieur, un homme riche subit la soif des condamnés au feu éternel. Cette imagerie-là était extrêmement répandue à l'époque. Abraham apparaît ici impitoyable avec le riche qui demande une grâce. Un gouffre sépare la félicité de ce séjour brûlant où se trouve le riche. Impossible d'obtenir un apaisement. Et quand le riche demande, non plus pour lui, mais pour ses cinq frères survivants, qu'au moins on les prévienne du prix qu'ils auront à payer leur vie fastueuse, Abraham rappelle qu'ils ont la loi et les prophètes pour les éclairer dans leur vie, dans leur choix, et que même si l'on revenait de la mort pour leur montrer les choses, ils ne le croiraient pas. Dans le prophète Ésaïe, on peut lire « Mangeons et buvons, car demain nous mourrons ». Le Seigneur Adonai des armées me l'a révélé, dit Ésaïe, cette faute ne sera jamais expiée pour vous jusqu'à votre mort. Ce passage est une dénonciation du péché d'Israël qui se réjouit dans le présent sans se soucier de demain, alors que Jérusalem est assiégée par les ennemis. Ici, c'est le fait de profiter de ses richesses pendant qu'il est encore temps qui est dénoncé. Aucune pensée d'avenir,
aucune conscience de ceux qui viennent après, des générations futures, aucune foi dans le salut de Dieu toujours possible et qui pourrait retourner la situation. Cette condamnation-là n'est donc pas nouvelle. Profiter de la vie, n'est-ce pas un droit et une aspiration bien légitime de tout être humain? Le riche de la parabole le pensait aussi. Mais à présent, il voit Lazare avec Abraham tandis que lui est au séjour des morts. Bien sûr, la lecture morale de cette parabole dénonce ici l'indifférence du riche à l'égard du pauvre qui dormait sous son porche. C'est un premier niveau de lecture très important, car il veut dire quand même que nous avons des devoirs envers ceux qui sont plus mal lotis que nous dans cette vie. Le riche n'a pas partagé ses biens avec le pauvre. En cela, il a fait quelque chose de contraire à la loi et contraire aux prophètes. Mais un autre niveau de lecture est possible, celui de la foi même. Car ce n'est pas une vertu que d'être pauvre. Et Lazare aurait pu être une vraie canaille tout en étant très pauvre et très malade, tout couvert d'ulcères qu'il fut. Alors pourquoi se retrouve-t-il dans le sein d'Abraham ? Sans doute à cause de sa foi, simplement, non pas à cause de son mérite ni de ses vertus. Une foi qui n'est pas décrite dans l'histoire, mais qui est pratiquement consubstantielle à la personne du Lazare tel qu'il est présenté dans ce texte. Lui qui n'a aucun plaisir dans sa vie et qui vit quand même la vie que Dieu lui donne, en espérant chaque jour que ce qui tombe de la table du riche finira bien par arriver dans son estomac, lui reste dans la foi. Lazare n'a rien fait durant sa vie pour mériter sa situation après la mort. Et pourtant, les anges le portent sur le sein d'Abraham. Alors, faut-il peiner toute sa vie pour espérer une béatitude après la mort ? Y a-t-il une égalité parfaite entre les peines dans un monde et les bonheurs dans l'autre monde ? Comme si une justice rétablissait l'équilibre d'une balance imaginaire, afin que tous les hommes aient leur quota de bonheur et de peine. Si ce quota existait, il n'y aurait aucune nécessité pour nous à régler nos actes sur la loi et les prophètes, car la balance se rétablirait automatiquement au moment de la mort des gens. Dieu se chargerait de tout et ferait justice. Cet équilibre se rétablirait sur une grande balance du destin. Le problème, à mon avis, ne se pose pas ainsi. Ce n'est, à vrai dire, même pas le propos de la parabole. Le problème n'est pas cet arrière-monde, en tout cas. Jusqu'à ce que quelqu'un en revienne et nous le décrive, peut-être un jour, mais pour le moment, cet arrière-monde ne nous concerne pas directement. Le problème n'est pas un problème de mort, mais de vivant. L'essentiel du récit de la parabole se déroule dans le séjour des morts, car l'essentiel de ce qui nous concerne, nous lecteurs, se passe durant notre vie, ici et maintenant. La parabole est le miroir de notre propre vie. Elle nous montre ce que Dieu donne à travers la loi et les prophètes, ce qu'il offre à l'homme pour vivre, quelle société il propose. Que fais-tu de ta vie, toi qui vas mourir, semble nous dire cette parabole. Et je dirais même, que fais-tu de la vie en général, la tienne, celle des autres, celle que Dieu suscite partout? Est-ce que tu en profites simplement pour l'avoir consommée entièrement quand elle s'achèvera? Est-ce que tu la laisses filer sans rien en faire, puisque de toute façon elle s'achèvera dans la mort? Comment considères-tu ta propre vie, semble nous dire cette parabole. La mort ici est la mesure universelle de la vie, l'étalon qui permet de replacer dans une même mesure toute action humaine. Sans elle, les conséquences de nos actes ne seraient pas les mêmes, puisque nous pourrions toujours recommencer, rejouer la pièce en quelque sorte. Avec elle,
cette limite qui tombe comme un couperet, les actes acquièrent leur gravité, leur poids, leur sérieux. Si mes actes n'ont aucune conséquence, que je peux toujours recommencer autrement, que ce que je fais aujourd'hui peut bien être contesté et refait plus tard, je peux faire alors n'importe quoi. Si tout acte est pesé au poids de ma propre mort, alors un choix s'impose à moi. Et demain, je ne serai peut-être plus là pour réparer ce que j'ai fait. Et ma liberté alors devient cruciale. Ce que tu fais de ta vie est ton affaire, nous dit en fait cette parabole. C'est complètement ton affaire. Mais s'il s'agit aussi de la vie des autres, et tu n'es pas le seul concerné, tu as la loi et les prophètes, et ta mort comme guide pour ne pas t'égarer. Ta mort, mais aussi celle de ton frère humain. Ainsi, là où l'on pourrait voir une fatalité du sort du riche, on découvre une grande liberté. Ne pouvait-il pas sortir aller aider Lazare ? Pour Lazare, me direz-vous, les possibilités d'agir sont beaucoup plus restreintes. Il est pauvre, malade, et la société dans laquelle il vit ne lui laisse pas grand-chose à espérer. Pourtant, il se retrouve dans le sein d'Abraham. Et cette position même d'un croyant dans le sein d'Abraham, dans le sein du Père des croyants, est sa dignité d'homme qui ne peut lui être enlevée. Il n'existait peut-être pour personne dans la société où il était, sauf pour Dieu lui-même qui ne l'a pas oublié. Et cette dignité-là, personne ne lui prendra. C'est sa richesse intrinsèque. Quand bien même il serait la victime du déséquilibre que le riche crée par son égoïsme, Lazare existe et sa vie a du prix aux yeux de Dieu, quand bien même elle n'en aurait aucun aux yeux du riche. Ici, la mort nous est présentée comme ce qui est irréversible. C'est la rupture entre le riche et Lazare. C'est trop tard. Le riche ne pourra plus jamais fraterniser avec Lazare. Il a même le culot de demander que Lazare l'aide encore un peu. Un gouffre les sépare dans la mort, parce qu'il s'est créé ce gouffre dans la vie. Il n'y a donc pas de temps à perdre dans une vie humaine pour faire les actes que le Seigneur nous commande. Chaque acte compte. Bien sûr, nous en ratons des tas. Bien sûr, nous faisons des erreurs sans cesse. Mais quand nous savons ce que nous devons faire, quand nous nous remémorons la loi et les prophètes et que nous ne le faisons pas, alors qu'en est-il de la dignité de notre vie ? Et surtout, ce qui n'est pas fait ici-bas ne sera pas fait au-delà, il ne faut pas l'espérer. Le tourment du riche est de ne pas avoir fait alors qu'il était encore temps. Il pouvait faire le bien qu'il pouvait faire pour Lazare et il ne l'a pas fait. Tant que Lazare était vivant, il y avait encore une possibilité pour le riche de se racheter, de faire ce qu'il devait à son égard. Mais la mort de Lazare annule toute possibilité pour le riche de faire ce qui est digne de son humanité. Aider Lazare, comme le commandent la loi et les prophètes. Souviens-toi que tu es mortel. Cette phrase qui résume à elle seule la mesure de nos vies devrait toujours diriger nos actes. Alors évidemment, ça semble très triste comme ça. Mais ce n'est pas triste, on peut très bien mourir à 105, 110 ans. Ce qui compte, c'est de regarder à quelle mesure nous regardons notre vie. Cette phrase nous montre comme une conscience de soi, comme notre liberté, là où est notre responsabilité, là où est le poids de notre vie. Nous sommes liés aux autres et à Dieu par cette humanité qui ne rend pas tout possible. Nous sommes liés les uns aux autres
Tantôt nous sommes Lazare, tantôt peut-être dans nos vies nous sommes le riche. Et nos vies sont solidaires dans la même humanité mortelle. C'est ce qui devrait nous intimer un pacte de non-agression à l'égard de notre prochain, de tolérance et de bienveillance, d'entraide, de solidarité. Elle est dans notre condition mortelle, cette fraternité que la loi de Moïse institue. L'enfer, ce n'est donc pas les autres, en ce qu'il nous empêcherait d'être libres. Il est plutôt l'enfer dans le risque qu'ils nous font, ces autres, prendre de les ignorer. Nous pourrions risquer d'ignorer les autres, de passer sans les voir et de ne pas accomplir l'humanité qui nous est donnée. Ce n'est pas la damnation individuelle que nous devons redouter. Que m'importe ce moi qui s'en ira dans la mort ? Mais ne pas avoir fait de la vie une béatitude, là est le tragique, pour l'humanité tout entière, pour tous ceux qui sont nos frères, dans la foi. Par aveuglement, par ignorance du temps qui reste, par souci de soi, nous négligeons parfois cette dimension. Alors souviens-toi que tu es mortel et vis en aimant ceux qui, comme toi, sont mortels. Car c'est là la véritable vie éternelle. Amen. Je vous invite à chanter ensemble le 149 dans les louanges et prières, les strophes 1, 2 et 3.
Voilà, alors merci beaucoup à Alexandre Korovitz qui est avec nous à l'orgue aujourd'hui. Merci Alexandre. Nous avons cette semaine une nouvelle rencontre de la pause spirituelle, le mercredi midi, donc à 12h30. Et c'est ma consœur Agnès Adeline Schaeffer qui sera là pour la pause spirituelle ainsi que pour le culte dominical donc, de cette semaine. C'est donc le moment où je vais prendre un peu de repos et Agnès prend le relais, donc elle va être là pour vous et pour recevoir vos appels, vos demandes, ce dont vous avez besoin pendant ce mois d'août. La newsletter, vous pouvez vous y inscrire sur le site internet de l'oratoire et vous retrouvez bien sûr les cultes et les prédications sur le site de l'oratoire et vous pouvez aussi y faire un don. En ligne, et donc n'hésitez pas à faire ce geste qui montre votre soutien à votre Église, car sans vous, l'Église ne serait pas là. Nous avons besoin de chacun, et donc il est essentiel que chacun participe à cet effort pour que l'Église continue à vivre et à annoncer l'Évangile. Je vous invite donc maintenant à un moment d'offrande. Je vous invite à la prière. Dieu d'amour, tu nous as appelés à l'unité pour que nous vivions cette unité dans l'harmonie. Et pourtant, nous sommes souvent dans la division entre les religions, entre les riches et les pauvres. Il y a souvent un gouffre infranchissable. Brise les barrières qui montent devant nous, parce que souvent nous les avons élevées nous-mêmes. Nous te remettons nos églises, nos entraides, tous ces lieux où nous essayons de vivre l'humanité que tu promets. Donne-nous d'être des chrétiens dans la vie, dans ce monde, avec nos frères et nos sœurs, avec tous ceux que tu mets sur notre chemin. Te prions, Seigneur, pour l'extrême pauvreté, pour la vie dans la rue,
pour les nuits sur les trottoirs, pour tous ces gens qui sont là et pour lesquels nous avons tant de peine à savoir ce qu'il faudrait faire. Donne-nous des élans de générosité. Ne retiens pas nos mains quand nous voulons donner, mais encourage-nous. Que notre raison ne prenne pas le pas sur notre cœur, car tu pourvois toujours à celui qui donne. Seigneur, aide-nous à être des frères et des sœurs pour ceux que nous rencontrons. Et ensemble, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, maintenant vous vous souviendrez que vous êtes mortels, mais sans doute y pensez-vous déjà souvent. Et en tout cas, cela doit vous donner l'espérance nécessaire pour vivre une vie lumineuse comme le Seigneur nous l'offre. Recevons la bénédiction de Dieu. Le Seigneur, de toute grâce, nous fait grâce et nous bénit. Amen. Voilà, je vous invite à vous asseoir et à écouter Alexandre et puis nos paroissiens d'accueil, les conseillers presbytéraux et les conseillers d'entraide, vous diront quand sortir et comment sortir, parce qu'il ne faut surtout pas que l'on fasse de groupe à l'intérieur du temple pour ne pas risquer ce qu'on appelle les clusters, et en tout cas pour ne pas risquer de rendre malade notre entourage. Nous avons aussi à penser aux autres dans leur fragilité et à nous-mêmes, et donc je vous invite à continuer à être très très vigilants avec les mesures sanitaires. Merci.